aujourd'hui, nous sommes mardi 24. Que dire? C'est fini? Ça y est? C'est le dernier jour du calendrier? Je vais ouvrir les petits cadeaux là, et puis après ce sera fini. Je n'aurai plus mes petits cadeaux au quotidien. Ouais, c'est vraiment très triste tout nu tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Ouais, c'est trop triste tout nu. Mais bon, on va ouvrir. Pas le choix. Du coup, on commence avec les Kinder. Le 24 est ici. Et il est gros. Et c'est un Kinder surprise. Hop là, bon, il est vide. Ça y est, poubelle. Ici. On va voir. Donc, je pense que ça va être la même chose qu'hier. Oui, puisqu'il y en avait deux. Et c'est une tête de Père Noël. Sophie, je t'aime. Je t'adore. Je te remercie beaucoup pour ces bons petits Kinder que tu m'as offert et qui m'ont accompagné tout ce petit mois de décembre. Mais voilà la poubelle. Bon, ensuite on continue. Par qui on commence? Par Ninon. Ninon, c'est un comme ceci. Donc je pense que c'est un pochoir, ça a l'air vachement plat en fait. Donc je pense que c'est un pochoir. Ouais, j'ai décollé ici, mais ça m'aide pas. Comme vous avez pu voir, je vais réussir à parler exceptionnellement. Donc du coup, la vidéo, je l'ai mise plus bonne heure aujourd'hui parce que à 21h, vous serez tous en famille en train de célébrer les fêtes, tout comme moi. Donc je l'ai mise plus bonne heure. On verra bien si vous la regardez ou pas. Hein. Il est très 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 joli. Donc c'est un pochoir Stamperia. Il y a un peu effet napperon baroque, j'adore. Franchement, il rend très très beau. Merci Ninon. Il est juste trop trop beau. J'adore. Merci, merci, merci. Il n'y a pas à dire, franchement. Je pensais que dans ce calendrier, il y aurait au moins une ou deux choses où je serais déçue. Parce que voilà, on était d'emblée au courant. Hein, c'est mélangé et le scrap et le Mixel Media. Et franchement, j'adore. À part les stylos, comme je disais, j'en ai parlé à Ninon. À part les stylos Pro Marker, là, ils sont ici. Donc voilà où j'ai eu ces trois couleurs-là. Je ne sais pas si vraiment je m'en servirais. À voir. Quoique pour le bullet journal, c'est à voir. J'y ai pas pensé, mais c'est à voir, à tester. Le reste, franchement, j'ai adoré. Je n'ai pas été déçue du tout. Et vivement l'année prochaine. Ensuite, on continue. Avec Stéphanie, parce que celui de Stéphanie m'intrigue beaucoup au niveau de, je sais pas, vous voyez, ils sont pas égaux, ça m'intrigue. Donc, apparemment ça a l'air d'être deux boîtes. C'est un coquillage. Voilà. Et à l'autre, il y a une encre, une queue de sirène et un coquillage. Franchement, ils sont très très beaux. J'adore. Ils sont vraiment très très beaux. Merci, merci, merci. Merci beaucoup à toi pour ce super calendrier de l'Avent. Franchement, c'est encore un plaisir d'en refaire un encore avec toi cette année. Et franchement, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et je suis très curieuse de voir ce qui va m'attendre pour le 25. Car oui, Stéphanie a fait un 25. Donc, voilà, voilà. Ensuite, on continue avec Karine. Alors, 24. Ne connaissant pas
forcément tes goûts en lecture, de quoi t'acheter un livre de poche de ton choix. Attention. Merci. Alors, Karine, tu as été une surprise, franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un calendrier de l'Avent réalisé par une scrap copine. Ça m'a juste énormément, énormément touchée. Et bon, même si parfois j'ai voulu t'appeler autrement que par ton prénom, aller savoir pourquoi. Franchement, ouais, juste merci. Donc, du coup, c'est une carte cadeau valable chez Cultura. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Je te dirai le choix que j'aurais fait par rapport au livre que j'aurais choisi. Merci, 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 merci beaucoup à toi. C'est que du bonheur de voir qu'une personne qui me suit sur YouTube ait pensé à m'offrir autant de cadeaux, autant de petites bricoles. Merci beaucoup, merci. Petites bricoles ou pas, hein, mais vraiment, merci, merci beaucoup à toi. Et je tâcherai de t'envoyer un petit quelque chose aussi, même si ça n'aura pas la même grandeur. Prochainement, quand j'aurai réussi à rattraper tout mon retard, parce que je suis énormément en retard. Ce mois de décembre a été un mois de décembre de dingue. Julie. Donc, son menu est là et elle me dit joyeux Noël. Donc, c'est un livre. Et elle m'a pris le Alfreda Henry. Donc celui-là, c'est Nos Infinies Insomnies. Et je crois que celui-ci, je l'avais lu aussi. J'ai un doute, mais... Ah, peut-être pas. Je sais plus. J'ai un doute. Je vais vérifier ça. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai les 4 premiers en poche. Il y a plus... Non, je crois que j'ai que 3, donc j'ai pas dû lire le 4 comme ça. Il ne me reste plus qu'à attendre les autres qui sortent enfin de son poche. Et enfin, le dernier, mon chat. Alors, qu'est-ce que vous avez dit hier? 24, ok, je ne râle pas, mais tu sais qu'on les adore. Oui, je sais. Je sais, je sais, je sais. Donc... je sais, je sais. On les adore quoi? C'est une bonne question. Elle dit que je râle tout le temps en plus. C'est ça que je dis je sais, je sais, je sais. Elle dit que je suis une râleuse. Je risquais pas de tricher. Et vive la neige. J'ai un Kinder déjà. Et pourquoi je devrais ne pas râler? Alors merci beaucoup mon chat. Tu mérites des fessées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fessées. Tu as bien mis le Kinder aujourd'hui aussi. Parce que tu n'as pas respecté du tout les règles. Oh, c'est un moule prima. C'est des feuilles. Ils sont juste trop, 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 trop beaux. Franchement, ils sont juste magnifiques. En plus, elle m'en a envoyé des moules. Franchement, j'adore. Ils sont juste trop, trop beaux. Merci, merci beaucoup, mon chat. Encore une fois, c'était une folie. Ça ne rentrait pas du tout dans les directives de notre calendrier de l'Avent. Hein. Ça n'y rentrait pas du tout, du tout, du tout, du tout dedans. Mais t'as raison. En même temps, on les adore. Mais oui, aussi, t'as raison. Je râle, je râle, je râle, je râle. Tu n'avais pas le droit. J'ai ouvert tout le monde, ça y est. Ouais, c'est vide, hein, vous avez vu. C'est très très vide. Ça sent beaucoup beaucoup la fin là. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, on dit. Hop. Alors, je sors ma petite panière. Et du coup, il y a le 25 de Amélie que je vais mettre ici. Le 25 de Elodie. Le 24 de Damien que j'ouvrirai en même temps que le 25. Et le petit 25 du calendrier de l'Avent de Ninon. Donc nous on se retrouvera, donc je ferai la vidéo certainement
demain en fin de journée pour ouvrir ceci. Comme ça, je vous présenterai en même temps ce que j'ai eu comme cadeau à Noël. Puisqu'il y a celui-ci aussi que je vous ai montré, qui me vient de Charlène, donc qui a été envoyé directement de chez Ninon et que j'aurai le droit d'ouvrir donc ce soir au sapin, en même temps que les enfants, pour que je puisse penser à elle comme si j'allais l'oublier même le 24. Hein. Non mais oh. Du coup, ouais, là, donc on se retrouvera donc demain pour ouvrir tout ceci, là, les petits cadeaux en plus. Et ouais, moi je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous fais de gros bisous, encore plus. Et je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille, que Papa Noël va vous gâter beaucoup. Et moi, je vous fais encore une fois des gros bisous. Bon Noël.